Luna et le mystère de l'acceptation. Luna était une louve grise. Elle vivait près d'un parc urbain. Chaque jour, elle observait de loin. Les enfants jouaient sans la remarquer, mais un jour, ils la virent. Un murmure de peur parcourut la foule. Luna voulait jouer aussi, elle s'approcha timidement. Les enfants reculèrent, criant de peur. Un petit garçon nommé Soleil restait là. Il n'avait pas peur. « Pourquoi fuit-il ? » demanda-t-il. Luna expliqua avec tristesse. « Je suis un loup. Ils ne me comprennent pas. » Soleil prit sa main. « Tu es gentil, n'est-ce pas ? » demanda Soleil. Luna acquiesça doucement. Soleil sourit largement. « Which is really for embracing Gabrielwood ?» La balle de Luna roulait à l'infini. Elle s'appelait Éclat. Éclat regarda Luna, incertaine. Luna a le cœur battant. Éclat prit la balle à la lance à Luna, esquissa un sourire. Peu à peu, les autres s'approchèrent. « Peut-être qu'elle est comme nous !» Luna bondit de joie. Le parc résonnait de rire, loups et enfants ensemble. La peur se dissolvait, l'amitié fleurissait. « Un zappenet, on se plus gaxinique, mais garbe, ils étaient forts et joyeux. » L'une allait d'ailleurs sur un écosse et explorait couvrant pour grâce. L'intolérance devenait d'excitation. Quand le soleil se couchait, tous étaient amis. Même les plus méfiants admiraient Luna maintenant. Voi cœur, le fieu collègue, gratis, cosette, l'apti, l'amitié, poit, clipper. Soleil prit sa main une fois de plus. Tu viendras toujours, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Luna acquiesça. La louve et deux garçons de se moindir au parc, leur d'amitié de joie. Téléchargez maintenant et découvrez de nouvelles histoires chaque jour.